Et bien, par exemple, dans ce moment d'échange, au départ, on peut aider la personne à trier ses facteurs de stress. Les facteurs de stress objectifs, les facteurs de stress subjectifs. Subjectifs, c'est-à-dire j'ai peur d'eux, je ne suis pas capable d'eux, qui ne sont pas des réalités, qui sont des feelings, des sensations. On peut après trier ces facteurs de stress dans différentes catégories. Les stress qu'on peut évacuer, supprimer, le simple fait d'en prendre conscience permet déjà de les évacuer quelquefois. Une deuxième catégorie de stress où on peut les résoudre en demandant des solutions, en demandant de l'aide autour de soi, alors de l'aide dans l'entreprise, mais aussi de l'aide dans sa famille pour se libérer de dépression. Et une troisième catégorie, quelquefois sur laquelle on ne peut pas faire grand-chose, mais au moins on peut apprendre à s'y adapter et donc à mieux les vivre.